se u Francuskoj, kako se ovo zove, zamak, Bridoar. Bridoar. Ovo je kuća gdje je Velja prvi put došao i živeo. Ovdje smo sa Zorom došli zajedno 1965. godine avgusta mjeseca i tu smo našli gospodina Velju Ristića, monsieur Ristić. Kad si ti, Veljo, došao ovdje? Ovdje sam došao 47. godine avgusta mjeseca. 47. avgusta mjeseca. I kad si napustio? 65. godine. 65. Vele. Pa to je neposredno posle našeg dolaska. Mi smo 65. bili tu. 65. Da, da. Yes. Evo garaža, gospodin Velji, nam to vreme. Za prva kola. Pa ćete za prva kola. Pa će vidite posle razlike. Sve propalo, nikoga nema. Sad ću da snimo posle malo i zamak. Evo ruševine štala u kojima su bile krave. A Ivona je pravila puter. To je bila štala moderna. Moderna štala bila, sad vidite na šta liči. Kad se ostavi. Mi koji smo bili znamo kako je to izgledalo. Čuvene krave crno-bele. A evo sad sve je to obraslo travom, srušeno, krov pao. Ja pričam, Velji, podsjeća me na Rafunu i Buvce. Kako izgleda imovina kad se zapusti. Evo sad dole, Chateau de Bridoire, tako? E, tu Velja je radio za ovog vlasnika. Kako se zvao taj gazda? Lešer. Lešer. Od origine Svisa. A, origine Svis, švajcarac. Zamak je zapušten isto. Vidjet ćemo ga malo bliže bolje. Nekako moram da izvučem. Ko je bio prvi gazda? Marquis de Foucault. Marquis de Foucault. Ima ime Foucault, znači u Francuskoj. A posle toga? Nosi se de Roquette. De Roquette. I onda je on prodao to ovoj švajcarcu. E, on je prodao švajcarcu. Da, da. Sad se šato lepo vidi. Sad je šato kupio neki, ne znaju ko je kupio, tako pretpostavljate da je crnac. Niko ne zna, vlasnik se ne javlja. Samo nešto da kažem ovdje. Čitajte, propriété privé, défense d'entrée danger. Danger. Ovdje ne možeš ti u privatni banje kako ti da. Upadaš baš, baš te bole briga. Zamak. Praviš nov bunar, u stari ne pljuj. Je znaš? Ja. Evo potok koji se zove Gardonet, prolazi pored dvorca. Priroda je božanstvena ovdje.
Evo, kroz šumu se malo vidi dvorac. Šta to? Evo ga, napred ide gospodin Velja, bivši radnik. On je to napustio i pametno radio što je napustio. Golubarnik koji pripada dvorcu, šatovu. Na odvu stranu i on je propao do ovom stranu tamo. I još malo. Još jedan pogled na Chateau de Bridoire. Chef d'œuvre en péril, to znači izgubljen vlasnik. Klase. Depuile, c'est drugé. Association historique de Ribaillac. Sauvegarde. Sauvegarde du château de Bridoire. A to su neki klub osnovali oni. Je, da ga čuva. Sjetili se na vreme. On je do 14. sjekla. A, 14. veka. Imali poslednji pogled na Chateau de Bridoire. Evo nas u Bobazijaku. La Land. La Land, naziv, rekli ulica gdje se Velja nalazi. Bobazijak, preciznije La Land. Zanat Velji iz Vukov, iz zamka Bridoire, da ono mu da zaradi, da kupi kuće, sve, sad vodi njegov sin. Nalazilo su se prve kuće koje Velja kupio posle Chateau de Bridoire. Kad si kupio, koje godine? 58. 58. godine. To je njemu prvi skok u bolji život. Evo sadašnja kola. Vidjeli ste njegovu garažu u Chateau de Bridoire, evo sad garaža zidara u cveću, ono, plač majke Božije. Evo bašte.
Ja mislim da će dati lepe boje ovo. Evo ovo je manje više delo, i vonja tako, a? I bašta, ova cveće. Ovo ti je prva stara radionica, tako? Gde si počeo, kad se od gazda odvojio. I radio sam tako dok sam bio kod gazda. Da, znam. Bili smo ovde. Gazde, govorimo o gazdi, ne Bridoar, nego gazdi gde je učio stolarski zarad praktično. Radio kod njega, ali je praktično naučio izradu starog nameštaja. Francuzi ludi, budale, plaćaju. I pravili smo i novo. I novo, ali glavno stari. Šupa za drva i razne zronke. Evo Beljina poljoprivreda i cvećarstvo. Veličina bašte nešto malo veća od našom istođinu. On je veći gazda. Koje je to zelenilo oko kuće? Evo krompir. Evo velje se zaradi. Tebe napada zlatica, tako je velje? Tako. Zlatica. Oni insekti koji jedu lišće. A, nema, sad, ove godine nema. Nema, aha. Sve pogledaj, beli luk kakav je. Beli luk, prazi luk. Evo ga bob. Tako sve. Dole od dnu je drugi stan koji je on kupio za sina, Miševa, a ovde je sad prava, evo prava radionica, sad ćemo da vidimo. Ovaj mali bas služi za poslovanje. Sve su mašine bile kod Velja dok je vodio, sad to Miša da radi. Ove smo mašine mi vidjeli kad smo bili, samo u onoj staroj, gde sam prikazao. Odlično. Evo deo nameštaja koji je gotov za prodaju. Ili za određeno kupce, ili za prodaju uopšte. Sve je luj. Ko je ovo luj? Karton kupke. Vandi. Ne vidim gde ima luj. Sa se, Louis Philippe. Ovo je Louis Philippe. I ovo je Louis Philippe, s ove strane, jel? Jeste. Sve je Louis Philippe. Ovo je Louis XV. Ovo je Louis XV, sljedeće? Louis XVI. I na kraju Louis XVI. XVI, znači to je. Da. Ovo je Louis Philippe. I ovo je Louis Philippe, sve. Dobro. Tu, da. Lepo. Ovo je stan Mišelov, kuća zapravo, ne stan, nego kuća.
duplus. Jedan deo Velja, drugi deo Miša. A ovde stanuje... Svako ima svoju kuću. Da, ovde stanuje sin od druge žene Mišove. Svaki svoju kuću ima. Tu deca koji oni čuvaju. A, ja. Koliko dece čuva Miša? Četiri. Četvora dece Miša čuva i sestru i Volinu. I tu je kuća gde stanuju deca. To je dvorište Mišelovo. Listo zelenilo, lepo uređeno. Znaš šta ti kaže Velja? Ti kaže, sve završim. Evo, završava sa panovom atelje, koje sad vodi Mišel, a koje je u stvari osnivač Velja Risi, Sosije Anonim de... Ovi su svi drugi Sosijete Anonim de Grebater. Evo je kuća oba Mišelova i tamo gore antikvitet. Oni rade sa antikvitet. Evo vidi se ovaj, ovaj prvi deo malo više Veljin, onaj niži je Mišelov. U kući pokrivena terasa, gde mi doručkujemo ručan i večeramo sada, u ovo vreme, kad može. Tu pe parlo? C'est la maître, parle parle, c'est le maître d'hôtel. C'est la maître d'hôtel, directeur général Yvonne. Se si vous allez te soigner la liste gastrique. Valjda ga snimat ću, kad je već... Evo ga, uživa mačak. Dakle, oni znaju mačke da se namesne. Evo, viže se sada. Super. Evo, Veljin ručni rad. Kredenac, orman u sobi. Strašan, da znate ovo strašno je. Da, koliko kod nas više ovo. Ja ne znam da sam kod nekoga ušao i vidio ovakvu klasiku koju. No i on, stvori se taj atažer. Da, i mačka na kraju. Spavaš, gospodine. Druga lančka, Dragane. Čekaj. Evo ga, još jedna stvar. Ovaj se već i to kriv, Orman. Mora da je nešto kriv. C'est l'atelier de construction de Yvonne. Yvonne je direktor general. Ovo se naravno radi. Thank you.
Se Michel. Interviu pour la télévision à Belgrade. On a filmé E gdje se nalazimo, Veljo, sada vi, Veljo? Ovdje, to je i Bombazjak i ovdje. Bombazjak, ali kako se... Maruti. Maruti, kraj Maruti. Gdje su dve kuće, ili tako? Jeste, dve kuće. Ovdje se nalaze dve kuće, ili tako? Ovo je prva kuća, dosta velika. Da, da. A sad ovdje ima jedno veliko odjelenje, kao šupa. Da. Posle, druga kuća. Druga kuća. Kad si kupio? 80. godine. A, 1980. godine. Kupeno je na ali ime starovanje. Ali si ih popravljao? Jeste, jeste. Ova nije završena, ova je završena, ovdje unutra je završena. Samo krov sam smenio na ovdje. Da, da, da. I tamo je... Sad Mišel, on počinje da je rekonstruiše, da radi, da. Dobro, pa mora kad si kupio, pa... Nažalost, sve su ime Mišela. Al camion est arrivé? On entend un bruit. Oh, mais on n'ira pas dedans. Si. On peut, après, quand tu veux. Oh, devo mettre. Tu as commencé les travaux? Sta a cercare. Ah, bon, ben, on va dire. Da, spoglia, c'est la mala sgrada. Ecco la prostoria. Come se ricostruisce, ужас. Ovdje ako hoće da radi, ima od čega da... Da, radi, oni su fabriku. Ovo može fabriku napraviti ovdje kuće. Ovo može. Kako da ne? Super je veliko, ovo je strašno. To je najdeo što je velje objasnio, to je tek da se popravi. Ti domande si obizvan da permisio, to postoji. Kola koliko hoćeš. To je veliki magazin, sad ću vas ti ulutiti šta je materijala rezerva. Evo pogled od te kuće. Evo mali veljak. Evo, Mišel i Velja, stari majstor i novi majstor. Sad moram da uđem unutra. Evo magazin, šta je tu starog namještaja koje Mišel mora da preradi. Kao što rekao, hoće da radi, ima za posao. Čekom jedan evu puve trebaju si. Si u ne prepa... A? U glavu treta. Može da završi svoju penziju. Penziju ovdje, da. Je da je, hoće prilijer. Ima na druga mjesta, on stane. Da. Ja rečiš ako tu. Mene film. C'est pas con ça là. Mais c'est prévu pour qu'il y ait la végétation dessus. Ça on le supprime après. Mmh. Le bambou. Regardez pas là. Camarade. Ouais, regarde là. Hop hop. Déjà, il y a un problème, il y a ses créatures. Nalazimo se ispred radionice gdje je Velja prešao iz Bridoara. E, kad si Velja došao ovdje? 70. godine. Iz Bridoara. Šta to je Bridoara, jel? Je tako? 60. godine. I dokle si ostao? Ostao sam sve do 80. godine. Tu si sticao znanje, znači. Jeste. E, posle sam radio u mene. Sam svoju radnju, ali ovdje je... Rampa za odlazak u svemir. Lepo, dobro. Lađa na putu iz Beržeraka ka? Za Bordo. A, za Bordo, ovaj put za Bordo. Dobro. Još jedna od veljenih zgrada. Koje godine si kupio, Veljo? 92. A 1992. godine kupi preuredio. Kako se zove mjesto, reće ti? Veljo, kako se zove mjesto? Fontenilje. Fontenilje, a.
Fini, fini. Pas de problème. Il dit qu'il faut rester. Evo, koliko je velika bašta, dole garaža, bazen, sve to ga svim velja napravio. Evo, sad nog vina velja da ne ugoste, gajđi. Nalazimo se kod posljednje kuće, koju je velja kupio, to je u Bordeauxu, predgrađe Pessac, univerzitetski. Grad Bordeauxa, ulica Aristide Briand, 13 bis. Evo je. Atmosfera slična u Montbrillacu, trava, šuma, ladovina, veoma lepo, prijatno. Unuk je spremio roštilj, ipak krv srpska, kaže velji, pa on ima srpska krv i vora ne voli, švajcarkinja. A kad ja pa, on je Srbin, mora da voli roštilj. U krvi Mikaela, Mikael unuk. Će srpska krv pomala. Roštilj pravi na čumor. Vinove grančice, sad će da vidimo. Mikael, on živi s jednom devojkom koja je kao žena se smatra. To je ovdje veoma uobičajeno da svi žive sa ženama zaoželjeni. Evo, deda i unuk razgovor. Ovo ti nema uvek. Ovo ti buš vina. Ovo je sada. 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 Kažem, deda i unuk razgovaraju. Thank you.
Ciao. Ciao. Ja kažem, Grand Père je... Da, Grand Père je Petit Fils. Petit Fils. Discute. Beaucoup de travail. I onda završim ovaj prvi deo, posle ćemo da provajemo po 10 puta. Dok se nismo napili. Opet film je prvi. Odlično, nema tu govora uopšte. Et les meubles ont été fabriqués par Grand-Père. Tout est préparé, hein? Za jednog drugog listića. Da, da. Za jednog drugog listića. Notre listić, je. La force de les entendre, il y a des mots qui reviennent. Qui vont au centre, à la bac. Un petit Michael. Un petit Michael. Ouais, pas grand, ouais. Non, je mange petit. Non, non, aussi fort. Mais je veux seulement que je vous attire le premier, parce que je vais vous mettre en place, que je vous mette 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 en place. Cabinet de Monsieur Michael, docteur professeur. Za stolom da ga slikam, ne doktor, še ne tablo. Profesor. Ne profesor, eh, profesor. Profesor Listić. Listić, aj. Toujours la même Listić. Plein de Listić. Et le vieux aristique. Directeur du groupe financement. Allez, faites-le dans la taquine, on pause. Voilà, faites-le dans la style, on va. Regarde, t'as vu le bébé, je suis sur le bébé. Là-bas, voilà, regarde, regarde. Is like da ti snimim. Lepo da se vidi. No, la patrona su. Evo, ti sono qui. Si on veut, besoin de faire quelque chose pour t'aider. Non, coup de pied au cul. Za novu boraniju. Pak questo za novu boraniju, da, da. Il soupe sur ce malade. Il va au Belvès. Là, voilà, c'est ça, c'est ça. Et. Oui, ils se sont. Mais c'est des quatre célébrités. Le bonjour en un peu. Déjà, ils sont. C'est pas toi dès demain matin qui. Hein, mais, la fille Aventura avec son mari qui est le Edson Bly devait rentrer ce jour au Belvès. Il va au Belvès. Ils étaient allés le week-end voir le musée du Guggenheim de Liban. Ils ont décidé de bouler à vue.
Et justement, comme il avait peur de, des arbres, il a préféré voler au-dessus de la mer que voler au-dessus de la forêt, sûrement. Pour pas accrocher les arbres. Mais résultat, il a accroché les vagues. Il va être quand même bas, le mec. Et combien de... 4. Mais j'étais 4. 4 mètres. Enfin, c'est pas prêt. C'est risqué, là, il y avait là-bas encore. Là, on a retrouvé le train. Bon appétit. Merci. On parle beaucoup avec du bœuf parce que c'est dur. C'est trop dur. La viande est trop dure. On a faisé avant de Toujours son plan. Oui, allez. Ça va? Allez, je te fais. Il a bien soufflé. Il est vraiment phénoménal. La 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 la. Et le service public. Alors. Non mais. Bonjour. Bonjour. Chaque jour. Bonjour chaque jour. Chaque jour. Bonjour chaque jour. Mon merger. Sur une embasure, il est parti. Ils l'ont viré. Ils l'ont viré, ouais. Et alors en plus, c'est ça. Mais ça, il collait pas avec. Lui et notre président sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Hein. Ben oui, c'est sûr. Avec la cohabitation, le président voulait des journalistes qui pourraient l'aider. Oui, faut que enfin ça va aller. Comment il s'appelle l'autre là, celui qui le remplace. Il n'en a pas pu mettre. Kako kaže Željo, mi smo pred posljednjom zgradom koju si podigla. I ko će najduže da koristiš? Sigurno. Groblja onda zijak. Da ćemo u Lebanu da... Karakteristika ovih grobalja ovim pločicama odaje se pošta mrtvom, prijatelji, rođaci, svaki danese pločici u stari koć. Da, da. Thank you.
Alors, ouais, je reviens familieristique. Definitivno posljednja vila Gledistića. Koliko ovako groblje košta kod vas? Meni me košta oko 15.000. Franaka. Sad ti reći, ja moram samo da prekinem. Mene košta 5, skuplje kod nas ispravo. Sad. Na kraju nalazimo se ispred Zigulesa. To je prvo mjesto gdje je Velja se javio. To je kao njegova opština bila. Zigules 24240 Zigules. Šta je po njihovim selima oznake za sve prace? Ne možeš živ da se izgubiš. Spomenik iz rata, borcima. Spomenik je Francuzima palim 14-18. A to je mali trg u gradu, to je i kafana, bar, restoran, še Max. Kod Maxa. To je mala crkva. Rekao je Bastin tvrđava crkve. Mezon turizam, kancelare i sindikat inicijativ. Svaka večer, svako mjestarstvo ima to, neki tako li zovu taj turistički biro, mesni sindikat inicijativ. Auberge, Gracias.
Šteta, ova, satčina, omlet, ovo ima se jede, da se izgine. Škropa. I jedan me dir jerka i mem. Da, dobro. Il faut réclamer, mon Dieu, parce que la bouteille va rester pleine. Oh, ça. Non, c'est sympa. Pardon ? Il n'est pas bon parce qu'il est fatigué. Koji su bili kod nas u Beoradu pre 10 godina, 88. Nisu ni to kako se... Ojca, si. Nema da se tako pineš na župu, to na tam. Ha.
Oh, c'est fort. Mais tout le monde en boit, hein. Et on en revoit. Ça t'a dit, la tienne, le regard. C'est... Bon, alors, parce que là... Ça y est, là. Il y a tout ce qu'il faut. C'est bon, attends. J'y vais, les dragons. J'y vais, les. Il y a le mien. Il est à Moscou. Ah ouais. Il l'a abandonné. Hein? Ah bon? Je sais pas pourquoi il l'a abandonné. Et il est revenu de temps. Ah d'accord. Mais lui... Il est jaloux, ce putain de chien, c'est incroyable. Et tu peux lui dire qu'en principe, on les mange. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Il y en a qui les mangent. Cobaye. Oui, comment ça s'appelle? Zoé. Jimmy. Ah, il est jaloux, tu peux... Jamais. C'est plus... C'est... C'est un rat sans queue, hein, ouais, pour moi. C'est un petit lapin. Non, c'est pour faire. Et Attends, parce qu'on a su doué. Oh, je sais pas. Tu mets ça là, tu vois. Oui. Attends, on va mettre la comme ça. Oui, quand on mes cigarettes. Maman, tu t'en mets mes cigarettes? Non, ça y est, tu en mets deux. Comme ça, t'en prends. Les meubles à veillard. Hein? Il est arrivé de la corne, mais il est localisé. Oui, mais vous voyez passer là. La rampe, là, tu sais. Ou la pierre ponce. Ah, t'as une rampe. C'est moi qui fais le rampé ici. Et Julien, comment faire le mouillage? Je ne sais pas si, si tu vas pouvoir lui pas dire, mais le problème, c'est qu'il faut qu'après je touche les droits d'auteur pour le film. Et il faut une chaîne. Bon, tant pis. Il faut une... Je vais, moi. T'as fini ton verre? Ça y est. Et j'ai trouvé du travail en Australie, non, là. Après, j'aimerais aller voir l'Australie. Ouais. Depuis toute petite, c'est mon... Ouais. C'est un pays immense, immense, immense. Et pays voisin. Voilà, je vais aller travailler à la Caisse d'Épargne. La Caisse d'Épargne, ils recrutent, soi-disant. Essayez. Pour promener l'écureuil. À Bordeaux aussi. Oh, merde. Il va filmer tout le plat. Ah bon? Ouais. Quand je pourquoi je me sors? C'est du pinot, ça. C'est pour moi. Ah, oui. Josette. Papa, il a essayé du rond. T'en souviens de Chantal, ma copine? Ouais. Bon, l'autre soir, ils sont venus et avec Chantal, on s'est sifflé la bouteille de rosé à tous les deux. Ah, deux. C'est quoi d'en manger? Apposta la mia cagina con i muore, ora c'è più dare dietro. C'è un po' un geniale, fatti dietro. Après, fai di jambon de Bayonne. E! Papà! Givali, dragon! Givali! Ah oui, Givali! C'est ça? Non, il n'y en a plus qu'un dans le frigo. Ça revient? Oui, je le pense, il y a dans le plus d'un. Non, mais attends, il y en a là? Il boit un petit peu? Il n'y en a pas là. Oh, il ne boit pas là. Et les verres, ils sont aussi, maman, les amis. Oui. Un blanc. Elles doivent lui manquer parce qu'il y en a deux qui lui ont téléphoné. Ah bon? Oh, les bouchons. Ah. Ça ne dérangera pas, ça ne dérange pas votre dame. Oh, ma femme s'en fout. Qu'est-ce qu'il a dit? Il parle de chérie, je ne sais pas. Il a dit, je n'ai pas chérie. Parce que maintenant, il y a des lunettes. Il y a des lunettes, mais... Pour le soleil, oui. C'est correctif. Oui. Mm-hmm. Moi, je vais y aller demain. Mm-hmm. Mais c'est que je ne comprends pas que c'est si bon marché. Oui. Ah, tu vas pas me mordre, hein? Qui le chien? Jimmy! À 400 et quelques francs. Il est couché sur ton pied. Oui. Ah, ça, c'est son dada. Avec 400 et quelques francs, le four, le monture, mais le verre. Chez un message chez Alors, je dis, attends, je te passe Sébastien, il veut te parler. Il a des problèmes. Ouais. Alors, Sébastien dit, oui, alors, on discute deux secondes. Bon, il dit, écoute, j'ai. Vous pouvez pas faire quelque chose pour moi, il dit, parce que j'ai voulu un feu et je peux un vivre. Ah, ouais, non, mais attends. Ouais.
Ça va par ça? Mais toi... tu lui dis que j'ai commencé à me parler de Rachel, moi. Je commence là. Hein? Toi, quand je me baisse ou comme ça, je le sens. Et moi, quand j'avais 82 kilos... C'est la femme du mari de ma belle-sœur. Attends, la femme du mari... Du frère de ta belle-sœur. Non. Attends, la femme. Attends. Du frère de ma belle-sœur. Mais dis-moi, c'est le frère de ta sœur, de ta belle-sœur. Oui, non, non. Attends, vas-y, recommence. C'est la sœur, la femme. Non. C'est la femme. La belle-sœur à sa belle-sœur. Du frère de ma belle-sœur. C'est la femme du frère, ah oui, à sa belle-sœur. C'est la belle-sœur de sa belle-sœur. Ah ben oui, mais c'est rien, il voit du tout. Non, mais non, ah, d'accord. Non, mais c'est rien, mais on les connaît. D'accord, on les connaît. C'est rien. C'est la belle-sœur. Elle prétendait d'être mariée au château. Oui, c'est la femme du frère à sa belle-sœur. C'est la belle-sœur à sa belle-sœur. C'est la belle-sœur à sa belle-sœur. Ok, qui se rappelle de la famille. Que c'est possible. Mais c'est possible qu'elle ait fait le ménage. Oui, ménage, oui. Ménage, oui. Non. Bien sûr qu'il a fait le ménage. Il était parti déjà. Je l'ai connu. Il était au baptême de Marie. Non, il était venu, je ne sais pas. Mais je sais pas. Alors là, il était. Il était. Non, il n'était pas au baptême de Marie-Christine. Mais je ne cherche pas de comprendre si on était. Je sais que Perodette, il n'était plus. Alors, tu comprends vraiment. Il était en baptême de Marie-Christine. Ah, oh, oh. Maman. Il était au baptême de Marie-Christine ou pas? Oui. Oui ou non? Ah oui. Mais il va aller dire non. Oh, il va. Mais il y a des baptêmes ou pas? Quand on m'a arrosé de flotte là. Non mais dis donc. Non, c'est pas un problème. Viens, viens, viens. Va chercher dans l'hérisson. Allez, va le chercher. Moi-même, je suis très intéressant pour...